Bonsoir à toutes et à tous. Vous regardez ma télé à moi et c'est tant mieux. Alors, ce qui est bien ce soir, c'est que je n'ai absolument pas besoin de présenter mon invité puisqu'il s'agit tout bonnement de Hamidou. Hamidou, bonsoir. Bonsoir, Halim. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu as fait un voyage justement en aller-retour hier à Béjaïa et tu devais animer, je crois, une fête de mariage. Une cérémonie, oui. Alors, j'espère que tu trouveras les ressources qu'il faut pour faire ton émission. Car comme je dis, l'émission, c'est l'invité qui l'a fait. Elle ne compte pas sur moi. J'espère, moi aussi. Allez, très bien. Alors, j'ai tout fait pour t'avoir avant Ramadan. Oui. Car je sais que vous, les artistes, pendant le mois de Ramadan, vous êtes trop pris. Alors, entre... Pas tellement. De moins en moins. Non, pas tellement. Ah bon, hein. Oui, oui. Donc j'aurais dû pas te laisser trop pris. J'aurais dû te laisser pour le mois d'avril. Nous avons quelques dates par-ci par-là, mais sinon, peut-être en été, on est un petit peu, un petit peu trop pris. C'est vrai que maintenant, depuis que Ramadan s'est un peu décalé, peut-être que ça a changé un peu. Les journées sont longues, les nuits sont courtes, mais sinon tout se passe normalement. Et tu as des déplacements prévus à l'étranger pendant le mois d'Ramadan? Non, pas tellement. Non. D'accord, de moins en moins, parce que je me souviens à un certain moment où tu faisais pas mal. Oui, mais je reste avec ma petite famille quand même. Oui, c'est vrai que le mois d'Ramadan, c'est surtout la famille, et c'est tant mieux. Alors, on va commencer par attaquer ton programme, et tu as choisi comme première chanson un grand de la chanson algérienne, Mohamed Lamari, et tu l'as choisi en duo avec Yasmina, dans la chanson « Ah, ya qalbi ». D'accord? Oui. Allez, on regarde. Mohamed Lamari avec Yasmina dans la chanson « Ah, ya qalbi ». ياسمينة صوتك يعني لاباس بيه وراني معجب بيه. الله يسلمك اخويا محمد، شفتي كنت مشغول من قبيله؟ انا قلت هيا نغني مع الاوركست. ملايين نغنوا مع بعض، يلا. محال يرجع لي حبك محال كل ما عدينا يعود محال يرجع لي حبك محال كل ما عدينا يعود اه يا قلبي شحال تقويت منك يا اه يا قلبي شحال تجرح من مره وحدي بدمعة خدي ناري تقدي حرقت كبدي الحب ضاع ضاع الأمل محل كل ما عدينا يعود آه يا قلبي شحال تكويت من فيا آه يا قلبي شحال تجرح من مرة محال يرجع لي حبك محال كل ما عدينا يعود محال يرجع لي حبك محال كل ما عدينا يعود اه يا قلبي شحال تكويت من فيا اه يا قلبي شحال تجرح من مرة فلا Alors, question classique. Pourquoi ce choix, Hamid ? C'est très beau, parce que bon, ça me fait revenir à mon enfance. Moi, je suis un enfant de la télé algérienne, hein, donc j'étais très branché comme tous les Algériens, quoi. Les Algériens, comme tous les jeunes qui avaient mon âge. On était, bon, ça, je ne sais pas, c'était les années 70, c'était Rasdoumaya, présenté par Leïla. Oui. Et c'était le duo, le fameux duo, avec une grande actrice qu'on a perdue toute jeune, Yasmina Lairhama, qui a marqué notre enfance aussi, par ses sketchs, surtout avec Mohamed Hilmi, etc. Et donc, le jour où je l'ai vue chanter, parce que moi,
Très très jeune, j'avais je crois 10 ans, j'allais au TNA, au théâtre, à l'opéra à l'époque, et j'assistais à des pièces de théâtre, en l'occurrence à Gomé, ouais. Yasmina, justement je les voyais en live, et pour moi c'est de grands artistes. Et là, dans cette émission, on voit le niveau. On voit Boudjmia Merzak qui dirigeait l'orchestre. On voit ces musiciens qui étaient très bien habillés, très bien coiffés. On voit ce décor, malgré les moyens de l'époque. Oui. Mais chacun aimait son métier. Les costumes aussi. On avait l'amour du métier. Pourtant, nous n'avions pas tous ces moyens numériques dont on dispose aujourd'hui. Avant, c'était l'analogique, c'était les répétitions. Il fallait qu'on répète, et il fallait qu'on répète avec l'ingénieur de son, il fallait qu'on répète avec le directeur photo, il fallait qu'on répète avec, avec le directeur artistique, on répète avec l'animateur, etc. En vue de réussir une émission à 100%. Moi, cette émission, Rasdou Maya, c'était quand même une émission, je crois qu'elle était réalisée par Bachir Belhadj. Oui. À l'époque, il était jeune, il était très dynamique avec son équipe. Qu'on a reçu ici, justement. Oui. On le salue. Le studio Adalukanja Yahdar. Voilà, c'est C'est toute une histoire, tout à fait. Donc, j'aimais beaucoup Mohamed Lamari aussi, et j'aime toujours. C'était un artiste qui avait beaucoup de classe, qui a toujours de la classe. Tout à fait. C'est un artiste qui vit dans son... il a une personnalité unique. Mohamed, c'est quelqu'un qui adore s'habiller, qui adore... j'ai fait des tournées avec lui un petit peu à l'intérieur du pays, les années 80, quand j'étais jeune. Et crois-moi que c'était quelqu'un qui... ne pouvait jamais passer, même si on passait dans un tout petit village. On le reconnaissait, venait vers lui. Il fallait qu'il se coiffe avec ses cheveux. C'était le seul artiste qui avait un sèche-cheveux dans sa valise. Et puis, c'était quelqu'un qui cirait ses chaussures. Vraiment... Ouais, la classe, vraiment, quoi. Vraiment, il mérite tout le respect. Et là, ça m'a replongé dans mon enfance. Cette émission, je l'ai vue avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour. Ouais. À l'époque, on pouvait pas, on n'avait ni vidéo, ni enregistreur, etc. Exactement. On enregistrait avec notre mémoire. Et là, aujourd'hui, je suis très content et je vous remercie de m'avoir fait revivre ces moments-là. Dont je me souviendrai toute ma vie. C'est le but de l'émission, justement, c'est de revisiter ces images que certains n'ont pas vues depuis longtemps, puis de rendre hommage à certains comme Mohamed Lamari. J'espère que les téléspectateurs sont ravis de revoir ça. Non, je pense qu'ils le seront. C'est vrai que c'est mon choix. Oui. Mais qui me porte le qui Yasmina la Irhamaha. La Irhamaha. Exactement. Elle nous manque beaucoup. Elle est partie très tôt. C'était une artiste pleine de vie, pleine d'amour. Elle dégageait beaucoup d'Algérie. Elle était la femme algérienne adorable, la fille de famille, Jazeera, tout à fait. Alors, Hamidou, tu fais partie, je dirais, d'une génération intermédiaire, alors entre les Amari, les Chahou et tout, et la nouvelle génération. Oui. Alors, je ne te demanderai pas d'apporter un regard sur l'ancienne génération, je pense que ce serait indécent de ma part. Par contre, quel regard porte Hamidou sur la nouvelle scène algérienne? Très sincèrement. Chaque chose à son époque, je dirais. D'accord. Aujourd'hui, bien sûr, les goûts et les couleurs diffèrent. Nous avons plusieurs moyens d'écouter des mélodies, d'écouter des chansons, plusieurs moyens aussi de visionner, de regarder des images, etc. Donc aujourd'hui, il y a tous les moyens qu'il faut. Oui. Mais ce qui est difficile, c'est de se faire une petite place sur la scène artistique, ou dans le cœur des Algériens, des gens, des spectateurs en général. Donc,
Ce qui est, aujourd'hui, c'est les tubes. Ouais. Aujourd'hui, c'est les tubes. C'est ça, justement. C'est, avant, c'était les albums, les tournées. Ouais. Maintenant, c'est les tubes. C'est-à-dire que les gens... Mettons, par exemple, on entend parler d'un artiste parce qu'il a fait un tube. Mmh. Et juste après, il s'éteint. Il y a un autre artiste qui prend sa place. Oui. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de tournée artistique. Oui. Voilà. Donc. Les artistes de nos jours, enfin les jeunes artistes de nos jours, ont du mal à durer. Et c'est ça le problème, parce que être, je sais pas, sortir un succès comme ça et puis disparaître, je pense que ça ne fait pas de nous forcément un artiste. C'est très très dur. Je suis un artiste, je connais ce que c'est. Mmh. C'est très très dur de faire un tube et d'essayer d'en faire un autre meilleur que celui-là. Mmh. Voilà. Ouais. Donc soit on fait un album où il n'y a que des tubes, mais il faut toujours faire mieux pour essayer de... Ou bien ne pas faire de tubes, c'est un petit peu mon cas, et de rester... De rester stable. Ouais. De garder la cadence. Voilà. Ouais. De temps en temps, bien sûr, j'ai une apparition avec une nouveauté, mais je ne dis pas que c'est un tube. Aujourd'hui, elle est belle. Malheureusement, la technologie a tellement évolué que les créateurs ne créent plus. Mm-hmm. Parce que le créateur devient à la portée de tout le monde et touche pas. Ses droits d'auteur. Ouais. Ne lui tombe pas comme avant, à l'époque de la cassette, de la bande magnétique, où la cassette vierge coûtait plus cher que la cassette enregistrée. Tout à fait. Donc aujourd'hui, tout le monde télécharge tout le monde. Voilà. Hein, ça pirate. Il suffit d'avoir une petite clé USB ou voilà. Tout à fait. Alors, on va parler un peu de Hamidou, hein, et de l'enfance de Hamidou. Alors, pour parler de Hamidou, je pense qu'il n'y a pas mieux que d'écouter Hamidou. Alors on va commencer par une chanson de Hamidou, Ma Arafch Wa Sghir. Donc une chanson de Hamidou, Ma Arafch Wa Ana Sghir. Depuis le temps, est-ce que vous les tarfs? Ou comme dirait Jean Gabin, aujourd'hui je sais qu'on ne sait jamais. Oui, tout à fait, comme le dit si bien Jean Gabin. Jean Gabin, oui. Absolument.
Exactement. Ça, c'est le côté humilité aussi, hein, qu'on connaît de Hamidou. L'enfance de Hamidou, je présume qu'elle a été tendre. Tu fais partie de ceux, tu te souviens du terme qu'on utilisait à un certain moment, titi, ou que on ne te disait pas ça à un certain moment pour te titiller un peu? Oh oui, mais bon, c'est, chaque chose a son temps, a son époque, hein, ses anecdotes, ses avantages et ses inconvénients. Ben oui, mais en plus, c'était plutôt bien, hein, moi j'aurais voulu. Hein. Oui, c'était une super belle époque. Ouais. Avant les années 80, on n'avait pas de parabole. Oui. Donc, la télé, avoir une télé à la maison, c'était déjà un luxe. Un trésor. Oui. Un trésor. Alors, si c'est une télé couleur, la couleur, le jour où elle est sortie, c'était vraiment, je ne sais pas moi, une révolution. Ouais. Ah oui, parce que bon, pour nous, la télé noir et blanc, elle allait être éternelle. Quoi, ouais. Parce qu'on n'imaginait jamais. Mm-hmm. Alors là, c'était même pas dans le rêve aujourd'hui. Qu'on imaginait un portable avec quoi je peux communiquer avec toi, tu me vois, je te vois. C'était de la science-fiction. Ouais. Mais on est arrivé là où on est arrivé. Mm-hmm. Eh ben c'est bien. Ça c'est l'ilm qui m'est pour nous. C'est la science. Donc à l'époque, quand les années 80, on regardait tout ce que faisait passer notre unique chaîne. Mm-hmm. Et à l'époque, il y avait les téléspeakers. C'était vraiment à la hauteur de notre temps. On nous passait des films, il y avait un programme bien choisi, bien défini, histoire de contenter tout le peuple algérien. Ce qui n'est pas tout évident. Tout le téléspectateur, voilà, absolument. Il y avait un programme qu'on n'aimait pas du tout, mais que d'autres adoraient. Tout à fait. Donc, mais on respectait. On respectait le choix des autres, on respectait les goûts des autres, on respectait les genres, on écoutait malgré nous, on écoutait de tout. Mais on finissait par aimer ce qu'on nous présentait. Des Algérois, on a fait Alger, on aimait tout ce qui passait. À l'époque, il y avait Tlidja, Zouleikha, on n'aimait pas que le Chabi, on aimait les frères Ahmed, absolument, Allah yarhamou salih, on aimait Ahmed Wahbi, on aimait, voilà, exactement. Donc voilà. Ouais. Donc il est jusqu'au jour où venait le jour où on m'a diffusé aussi parmi tous ces vedettes-là. Mmh. C'est la première diffusion télé, c'était il y a 33 ans. Ouais, un chef, hein. On va en parler. Ouais. Là, justement, tu me tends la perche, parce qu'on va parler de... Là, Anas Riyal, ça fait exactement 30 ans. Là, l'enregistrement qu'on a vu aujourd'hui, je l'ai tourné avec notre ami Khaled Oulbsir. C'est un réalisateur qui a beaucoup d'imagination, beaucoup de talent, et qui est resté quand même jeune pour moi. Ah oui, tout à fait. Alors, on va d'abord parler de Hamidou, tes débuts dans la musique. Tu as commencé avec le Haouzi, tu as même fait des associations, hein, de Haouzi. Alors, c'est venu comment? C'était un choix ou c'était tes parents qui se sont dit, on va le placer justement dans... C'est venu comment? Moi, je peux te dire que tout jeune, je me sentais aller vers la musique. Parce que c'était tout pour moi. Mes jouets d'enfant, c'était des 45 tours et des 33 tours. Oui. Je ne jouais pas aux petites voitures ou la... moi, c'était pour moi, dès que je voyais un 45 tours, quel que soit le contenu de ce 45 tours, je voulais l'écouter ou la... Voilà. Ouais. Donc, j'écoutais de tout. C'était ça, mon enfance. J'étais élevé avec de l'eau fraîche et de la musique. Ouais. Voilà, j'aimais ça. Mon père était fonctionnaire, donc de temps en temps, il achetait des disques. Je me rappelle le jour où il a acheté disques de Tamar Zahi, les disques de Gerwabi. Notre voisin du cinquième étage, parce que j'habitais Belkour, notre voisin du cinquième étage, M. Mdjadji Lairahmo, il avait des piles et des piles de 45 tours de Dahman al-Harrachi. Nos voisins,
du deuxième étage. Ils avaient des 45 tours de Claude François, de Mireille Mathieu à l'époque, etc. On écoutait de tout. On était ouvert, vraiment. Donc il était tout à fait naturel que tu te retrouves dans ce milieu. Oui. C'était ton chemin, oui. Enfin, tu étais prédestiné à la musique et à la chanson. Faut dire que mon et tes père parents l'ont compris. Voilà. Oui, oui. Donc tu as fait le Frardia. J'ai fait le Fenoul Adem le Frardia. Et c'est important de faire une formation ou... Ben oui, c'est là où j'ai rencontré beaucoup de gens, c'est là où je sentais en quelque sorte que je devenais un petit artiste parmi des artistes. On essayait d'être mieux que les autres. Ouais. Ah, voilà, c'était une bonne rivalité, quoi. Une école. Donc chacun voulait être meilleur que l'autre. Chacun voulait jouer son instrument, pratiquer l'instrument mieux que l'autre, etc. Et à chaque fois qu'on n'hésitait pas de montrer notre évolution, ouais, musicalement. Et toi, tu t'es tout de suite distingué. Je veux dire, très jeune, tu t'es distingué, même dans le domaine du Haouzi. Oui, enfin, du Haouzi, de l'Andalous. Ouais. Et l'Andalous, bien sûr, d'une manière générale. J'ai commencé par les Nouba Andalous. Ouais. Et donc après, bien sûr, le Haouzi, c'est un dérivé de la musique andalouse. C'est... voilà. Donc, le Haouzi, mais j'étais premier rappeur algérien. Justement. À l'époque. Et donc, j'ai fait de la chanson moderne les années. Et, années c'est 80, ça, justement. Alors que ce qui m'a permis d'être un petit peu présenté au public algérien, d'être connu. Et justement, c'est ce qu'on va voir justement tout de suite. Donc, tu as pris tout le monde comme ça, à contre-pied, parce que quelqu'un qui venait du monde du Haouzi et de l'Andalou, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse du rap ou autre chose. Je faisais le Haouzi et l'Andalous, oui, mais je vivais mon époque aussi. Oui, c'est ça justement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Hamidou, il y a des jeunes peut-être qui ne connaissent pas les tubes de Hamidou à l'époque, je vous propose, on a choisi quelques extraits, ouais, comme ça. Bien. Voilà, entre autres, c'est le Welloubia. Alors, on regarde et on revient juste après. We'll be right back.
En tout cas, on sent une chose, justement, dans cette génération, c'était une génération décomplexée, complètement décomplexée. Du tout. On se lâchait, on faisait ce qu'on voulait faire, et puis ça plaisait. On vivait notre époque, c'était Ortenia. C'est ça, mais... ce changement de cap, justement, il est venu comment? Comment tu as franchi le pas? Avec les changements des mentalités, Khoya. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. C'est pas comme avant. Justement, ce que je voulais savoir, c'est que, est-ce que vous, quand je dis vous, pas que Hamidou, et les autres artistes de ta génération, est-ce que vous sentiez qu'il y avait justement ce besoin chez les jeunes? Les jeunes avaient besoin de modernité, de changement, de... Oui, ça n'a pas trop duré. Ça n'a pas trop duré. Ça n'a pas trop duré, cette époque, elle a été cassée après. Dommage. Elle a été cassée après les événements d'octobre, etc. De 88, donc c'était la fin. C'était trop beau pour durer. Nous étions une jeunesse pleine. Pleine de d'énergie. Nous n'avions rien, pourtant. Nous n'avions rien. Moi, le premier concert que j'ai donné à cette époque, il y avait des images d'archives où je faisais ça. Il y avait un bassiste redamé. Vous savez combien j'ai gagné dans ce concert-là? Non. 180 dinars. Non. Oui, j'étais très content. On a partagé la recette qu'on a eue, c'était 180 dinars. Par personne. Oui, vous ne le faisiez pas pour de l'argent, mais par amour justement de l'art et de la musique. Heureusement, parce que moi j'avais mes moyens, j'avais commencé très très jeune en tant que musicien dans des orchestres Tchabé. Je jouais du violon. J'étais violoniste avec des amateurs de Chabi, donc je gagnais comme ça ma vie. Et j'avais même commencé à animer des mariages à cette époque-là. Alors tout le monde se souvient, puisqu'on dit de Hamidou, qu'il est le premier chanteur rap en Algérie. D'accord. Est-ce que, parce qu'il y a une chanson que moi j'aimais bien écouter sur les ondes de la chaîne 3, et dont on parle pratiquement jamais, c'était Discothèque. Discothèque. Tu t'en souviens? Chaloudouaoui discothèque, rock diana fi khatrkoum. Ah, c'était Chaloudouaoui discothèque, voilà, rock diana fi khatrkoum sek. Belek, ou tchakbabak, j'tahoud rabbenna. Oui, mais. Je ne la retrouve pas, cette chanson. Je ne la retrouve pas parce qu'elle a disparu. Complètement. Beaucoup de choses ont été. Mais parce qu'on n'archivait pas. Ont disparu, absolument. Même moi, avant, on ne copiait pas avec deux clics de souris. Avant, il fallait aller dans un studio, il fallait ramener un technicien, il fallait trouver une bande magnétique. Ce n'est pas comme aujourd'hui. C'est pour ça que mes archives, je ne les ai plus, malheureusement. Les ai données comment dirais-je? Même sur le plan audio, on ne les retrouve pas. Malheureusement. Peut-être qu'il y a des gens comme ça qui ont enregistré la chanson. Et ce n'est pas que les liens, il y a eu des chefs-d'œuvre qui sont partis comme ça, qui sont passés inaperçus. Et ô combien les artistes se sont cassés la tête pour réaliser de tels chefs-d'œuvre. Dommage. Alors, pour parler justement de cette jeunesse, tu as choisi un film. Bon, pour moi, ce n'était pas une surprise du tout, te connaissant. Tu as choisi Omar Getletou de Merzak Alouache. Alors, on a choisi comme ça certaines séquences du film. Alors, pourquoi Omar Getletou, Hamidou? Parce que... Pour parler de cette jeunesse, justement, qui était avide de progrès, de changement. C'est une Algérie que je voulais qu'elle dure.
C'est une Algérie où on était tous égaux, on était family. Ouais. C'est une Algérie où je pouvais vivre 100 ans dans ce milieu à Gdaïa, Menchi Bahash. Puis à l'époque, on a passé un message dans ce film, comme quoi qu'on veut notre culture à nous, on ne veut pas la culture des autres. Mais on ne nous a pas compris. Et on ne nous a pas compris, et là était l'erreur. On voulait être nous. Nous sommes Hana. Les Algériens qui m'écoutent. Les Algériens. Justement. Alors, il y a par contre un truc qui, à l'époque, tout le monde voulait un changement. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on regrette. C'est vrai, je voulais regarder. Je l'ai vu, je ne sais pas. Oui, on l'a tous vu des centaines de fois. Absolument, une infinité de fois. Mais je voyais cet Alger que tu as aimé. Qui ne s'effacera jamais. Hein? Ces bus bleus, ces chauffeurs de taxi jaunes, avec le Hayek, 4 d'euros, 10 d'euros, le miel de Farak. Enfin, je ne sais pas, avec rien, on n'avait rien, mais on était très heureux. Mais c'est ça le deal. Les salles. Oui. C'était et puis il y avait des femmes, c'était ça. Hayek qui sont venues voir. Oui, c'était ça. C'était le Hayek ou l'Ajar à l'époque. Les salles pleines. Oui. Dans le respect le plus total. On les embêtait dans une salle de cinéma. On faisait les queues. Tout à fait. Pour Yanni, pour le Rida Neuf, c'était un appel. C'est ça. Voilà. Et on voulait pas, on voulait notre culture, mais notre identité, notre personnalité, donc c'est pour ça que dégage. Oui, voilà, à l'époque vraiment. Parce que ça ne nous parle pas. Le ça. Public n'acceptait pas. Tout il montrait. Mais je suis à l'époque quand Ziyar. Dirafsa qui m'a dit de te battre, etc. Bon, passons. Alors, justement, ce qui est étonnant, le dilemme est là, justement, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'époque, on n'aimait pas vraiment cette époque-là. On se plaignait, on avait besoin d'autre chose, on avait besoin de changement. Et curieusement, je ne sais pas si c'est par nostalgie, aujourd'hui, on regrette ces années 70, ces débuts des années 80. Est-ce que parce que la vie aujourd'hui fait qu'il y a tellement de contraintes, qu'on se réfugie un peu dans notre passé, ou l'homme est un éternel insatisfait ? Nous sommes la génération de l'indépendance, de l'Algérie indépendante. Il y a eu beaucoup de changements. On se cherchait. Malgré que, c'est vrai que... Avant, la population Kantradbana, ils exprimaient ça dans les concerts, etc. Parfois, ils ne nous laissaient pas chanter parce qu'ils en avaient marre. Et on voyait que c'était. On voyait que le peuple avait besoin de liberté, des trucs comme ça, etc. Mais malheureusement, on a joué de mauvaises cartes par la suite. En tout cas, justement, parlons de cinéma, et il y a un film dans lequel tu as joué, et je suis désolé, tu sais que je t'aime bien, mais je ne pouvais pas ne pas revenir à la fameuse scène qui te colle comme un chewing-gum, justement, et celle qui est tirée du film Le Passager. Donc on regarde un extrait, on revient juste après. صحة مانيش عيانة ما تحبي جيتي مخصوطينة لا جيت بجاية بجاية وين اشترى هذا جاز على بجاية خديت كوريسبوندانس في بني منصور تسكني في الجزائر لا نسكن في الجزائر واخا علاش تفتي لي بليا تسكني تما ما نسكنش في تيليمي على شباتك واقيلا
واش كنتي حواسه في الجايه؟ واش كنتي الجايه؟ او ما تسكنيش بزاف تما مولاي يسكنوا في الجايه انا وقعت في الجايه نسكن عند خالتي ما ديري ميتين لا لا نقرا التاريخ مليح تاكليش مينغو Heureusement qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, sinon il y a bloc avec les films. Mais c'était sympa, c'était plutôt sympa. Alors c'est un film qui est sorti en 86-87, je crois, 7. Et tu jouais aux côtés de Nadia Kassi. 87, c'est ça. Fatiha Berber, Allah yarhamha, Hassan Hassani. Alors tu atterris quoi dans ce film, justement? C'est Wesmou Bara Mahbou Bras qui m'a repéré. À l'époque, Moussa Haddad était en train de monter les séquences de mon clip « Jowla Fellil ». D'accord. Et puis, comme par hasard, il est rentré la post-prod et tout. Avant, c'était « Bulbarouet ». Enfin, « Biscotch ». Il a commencé à voir les séquences à dos. J'ai présenté un scénario à la production. Ils m'ont donné, je suis en train de chercher un jeune premier. Moussa, je crois, chauffe. Tu ne trouveras pas mieux. Alors, donc, on va dire. Tu as tout de suite accepté. Qui dit Adramaya en ce moment, Adramaya Rabah Boubras, il m'a annoncé que le cadreur qui allait travailler avec lui, c'était celui qui a travaillé avec nous. Le clip de Jowla Fellil. C'est pour te mettre en confiance. C'est pour te mettre en confiance. C'était Chemseddin Touzane. Quelle équipe. Au Chemseddin Touzane, à la hal, c'est un as de la photo. C'est un grand. C'est quelqu'un avec qui on est à l'aise, qu'on travaille. C'est un professionnel. Donc tu n'as pas hésité, quoi. Tu as tout de suite foncé. Bon, j'ai lu le scénario, etc. Ouais. À l'époque, c'était un peu osé de faire un film d'amour. Une histoire d'amour. Une séquence de drague, etc., machin et tout. Mais l'histoire était belle. C'était une belle histoire. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était que c'était une histoire qui correspondait plus ou moins à l'esprit algérien. Oui, ça nous changeait des histoires d'amour à l'égyptienne, comme on les voyait dans les feuilletons. C'est peut-être ça qui a fait le succès du film. Tout à fait. On aimait. les Algériens aimaient leur production. Oui. Ils adoraient leur production. Une production tellement minime, mais كره لي فيلم تاعو ما كرهناهمش حنا لي فيلم الجزائري tout à fait تاع لي برودكسيون تاع لي زاني 70 80 ميم لي زاني 60 اي دافون غير نحبوهم توجور لي زاك توجور avec beaucoup de plaisir tout à fait alors justement jouer pour un jeune comme toi jouer aux côtés de Fatiha Berber la yarhamha et Hassan El Hassani ça fait quoi ça fait une fierté Ça fait ils t'ont bien encadré. Pour moi, le fait de me retrouver avec ces géants du cinéma algérien, etc., c'est bon. D'un côté, c'est quelque chose. Mm-hmm. C'est quelque chose en général. Mais bien sûr, il faut toujours garder pour durer, il faut garder les pieds sur terre. Tout à fait. Et le cinéma après ? Après, c'était trop beau pour durer. Il y a eu les événements d'octobre, etc. Donc il y a eu une paralysie, en quelque sorte. D'accord. Surtout, c'est la culture a pris un coup. Tout à fait. Après c'est celle qui a pris le coup le plus dur, justement. Côté émission, tu as voulu voir Télé-Ciné Club qui a été plusieurs fois choisi ici, donc je ne voulais pas revenir à Télé-Ciné Club. Tu voulais voir Chachafil Ousbourg, et puis tu voulais voir Fatiha. Voilà, La Nuit des Étoiles. Alors moi, j'ai choisi pour toi La Nuit des Étoiles de Selim Saadoun, et devinez qui était l'invité de Selim Saadoun ce soir-là. On regarde. Quand l'étoile scintille, le rideau vire opale, rougit, mais ne tombe plus. L'ombre, pris dans un claquement de pas, l'on supervise, contrôle, guette. Attention, l'étoile est là. Quand une étoile file, il faut faire un vœu, espérer la retrouver. À l'ombre des étoiles,
Le revers d'une vie secrète, les secrets d'une vie rêvée. Si c'est le moment de dire le mot de la fin, pour moi... C'est vraiment le mot de la fin. C'est le mot de la fin. D'accord. Et avant, bien entendu, donc nous remercions les personnes qui sont venues ici, qui ont fait le déplacement. Absolument. Nous regrettons, bien entendu, l'absence de Madame Hamidou, mais qui a remplacé, ça je le dis, qui a remplacé donc sa présence ici sur le plateau par ce plat de bakboka. N'est-ce pas, Madame Hamidou? Venez. Venez, venez, venez. Asseyez-vous. Merci. C'est pas vrai. Hein? C'est pas possible. C'est pas possible. Papa. Ah, papa. Tu me dis quoi, alors. C'est une autre surprise. Prenez. Alors, Hamidou. Voilà. Asseyez-vous, Hamidou. Est-ce que vous réalisez vous là? Vous êtes fou. Ah bon, merci. Merci. Alors pour vous, elle est à Paris réellement? Ah oui, absolument. Papa. Ça, c'est une... Ah, bah, ça, c'est impossible. Ça, c'était impossible à réaliser, quoi. Je ne sais pas. Pardon, c'était impossible à réaliser. Je rêve ou quoi? Mais c'est pas possible. Alors, vous auriez parié que votre femme était à Paris? Riyad est là, et il a ma clé de sol de Manu. Et voilà la clé de sol. Elle est ici, la clé de sol de Hamidou. C'est pour ça qu'elle devait venir. Voilà la clé de sol qui est ici. Et Hamidou, donc vraiment, vous ne pensiez pas réellement que votre... Sérieusement? Non, ça c'est une grande surprise, franchement. Vous ne pensiez pas que votre femme... Ah non, tout à l'heure, je lui ai laissé un message pour lui dire que je vais à l'aéroport à 6h du matin. Donc je t'appelle une fois que je suis une fois que l'avion a atterri. Pour aller le chercher. Oui. Hein, aller chercher. Je lui fais le chauffeur. Pour que vous alliez le chercher à Paris. Ramène, oui, à des heures. On se dit au revoir à toutes et à tous. Merci en tous les cas et on va terminer avec le succès de c'est trop de Hamidou. Hamidou, merci tout, beaucoup. Tout, bon. Il va continuer à découvrir tout cela au fur et à mesure. Yakalelo, c'est parti. Merci à toutes et à tous. Merci Mehdi. Merci Wassila. Merci Abdelkader Badarnech. Au revoir. Alors, ouais. Salim Saadoun, t'as vraiment chouchouté. Je rappelle juste que c'était à l'ombre des étoiles. J'ai un chat dans la gorge qui me perturbe. Et donc, il t'a chouchouté. Oui. Voiture de luxe, des cadeaux, des invités de marque, le bakboka. Bon, c'est une émission à Koulihal qui est conçue et réalisée par lui. Oui. Non. Non, conçu par Salim Saadoun. Donc, il y avait la limousine, il y avait la discothèque, etc. Ouais. Bon, tous ces invités se faisaient traiter pareillement que moi. Oui, quoi. Mais bon, je voulais juste dire la que... conception. Non, tout ce que je voulais te dire, c'est que chez nous, il n'y a rien de tout ça. Hein. Ah oui, moi, je t'offre un verre d'eau et des images d'archives. J'espère que tu t'en contenteras. Alors, justement, il m'a parlé de cette émission. Mmh. Il m'a parlé de toi dans cette émission, justement. C'était comment, le fait de voir... qu'ils ont fait venir votre femme, femme de Paris. Il m'a fait une surprise. Ouais. Tu t'y attendais pas du tout parce qu'ils ont bien justement joué le jeu. Ils ont joué le jeu, mais jusqu'à la fin. Ouais. J'étais étonné parce que je lui ai parlé alors qu'elle était... Quoi, tu n'es pas le seul à avoir des talents de comédien. Hein. Même elle, c'est une bonne comédienne. Tout à fait, et puis ça m'a fait vraiment plaisir de la voir. Hein. Donc là, c'était la première et la dernière fois qu'elle a apparu avec moi. Là, j'ai Riyad qui était tout bébé. Ouais. Donc, il passe son bac cette année. J'espère qu'il l'aura. Inchallah. Voilà, le temps passe vite. Ouais. Mais, c'est vrai. Mais ça m'a fait trop plaisir de revoir, de voir ça. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'aurais voulu t'offrir plus. Hein, mais attends, je salue Salim Saadoun. On le salue. Oui, on le salue. Parce que c'est un grand monsieur pour moi. Oui. Et quand il est venu justement dans cette émission, il a dit beaucoup de bien de toi. Ah, super. Voilà. Et je l'aime beaucoup, Salim. C'est un extrait qui m'arrange justement parce que je voulais te renoncer, puisque c'est un extrait qui se termine par la chanson Yakalelo avec Les Nomades. Alors, parle-nous de cette expérience très brièvement. Comme ça. C'était un tube international.
Je ne vous le cache pas que cela fait 20 ans qu'on a eu ce privilège d'être numéro un des tops des ventes, etc. Voilà. Et donc, et je ne vous le cache pas que j'ai contacté il n'y a même pas une semaine les membres et je leur ai dit, écoutez, vous ne pensez pas qu'on devrait bien. Oui, non. Ils avaient pensé avant moi à ça. Non. Et donc, j'ai enregistré les voix, nouvelles voix. Ah, très bien. Et je leur ai envoyé. Peut-être que ça va aboutir, pourquoi pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Nomades, l'idée, justement, du groupe Nomade est venue comment? Ah bon, l'idée, ce n'était pas la mienne. Oui. Moi, je les ai rejoints après qu'ils aient formé le groupe. Parce qu'avant, il y avait un chanteur qui s'appelait Ktounsi. Et donc, il était avec eux. Et puis, bon, ça n'a pas marché. J'ai tout de suite pris le relais. Et puis, voilà, et j'ai signé mon contrat. Et puis, on a fait une petite carrière, quoi. Un petit chemin ensemble. Voilà. Ouais, ça, et quel chemin, hein, je dirais. Et pourtant, je ne sais pas, je pense que tu es quelqu'un qui aime les challenges. Hein. À chaque fois, tu nous fais sortir quelque chose, alors des fois c'est le cinéma, des fois c'est un groupe étranger, des fois c'est le rap, alors que tu étais du Haouzi, on n'arrive pas, tu as touché à tout, et curieusement, à chaque fois que tu touches à quelque chose, tu réussis. Il te manquait peut-être le football, je sais que tu es un grand fan justement, et tu as choisi une séquence, alors c'est une séquence qu'on va voir rapidement parce qu'on n'a plus le temps. Je vous demande de regarder et surtout d'écouter. المرحلة الثانية من الوقت الإضافي وحامت الكرة حول الحمى ويسجل الرائعة ويحق للجمهور الرياضي أن يفرح وأن يتوج بهذه الميدالية التي أظهرت العمل الجاد والجبار شهر ونصف فقط يؤديه المدرب راشيد مخلوفي وسكان ورويع عمار ومرافقوه من أبناء الخدوة الوطنية الذين حققوا ما عجز عنه الآخرون يا لها من فرحة Oui. Alors voilà, c'était la finale des Jeux méditerranéens de 1975, remportée justement par l'Algérie. J'avais 9 ans, justement, j'étais dans le stade. Et c'est pour ça que tu as choisi cette séquence, parce que tu étais... Je me rappelle de ce moment-là. Alors, parle-nous de l'ambiance, justement. Ah oui, mais tout le monde mettait l'Algérie perdante, parce que le stade s'est vidé. Oui. C'était... Bon, commencé à se vider, à moitié vide. Puis moi, quand le Fouqa, le 5 juillet, ma baba, et puis je voyais, c'est perdu, c'est plié. Exactement. On a 2-1. Ouais. À la dernière minute, il a égalisé. Tu ne vois pas. Je ne vois pas Chaban Achtoua qui me donne la haïto. Il est Après, c'était les prolongations. Après la victoire. Et après, il y a eu les prolongations. Ouais, de la joie. Bon, je voulais aussi choisir la séquence à 82 dans l'Allemagne. Elle a été choisie, tiens-toi bien, par Salim Saadou. Mais c'est une joie. Mais à Chouach, les jeunes t'as de lourd. Je sais que tu es très foot. Mais les défilés, les drames. C'est vrai que la dernière victoire, Naharfa. Oui, quand on s'est qualifié à la Coupe du Monde face à l'Égypte. Hadik Wahda. Oui, aussi. C'est le troisième meilleur défilé de ma vie auquel j'ai assisté. C'est 75, 82, et puis la Coupe du Monde. Ici, j'ai défilé avec tout le monde. Ouais. Alors, le problème, c'est que
Je sais que tu es foot, mais de nos jours, est-ce que tu vas toujours au stade ou... Non. On ne peut plus partir au stade, justement. Non, ce n'est pas qu'on ne peut plus partir au stade, c'est malheureux, même Tfkarnich. Parce que moi, c'est une question d'éducation. Voilà, c'est pour ça que les mentalités ont changé, les comportements ont changé, l'individualisme, bzaf. On se déplace, aujourd'hui on envoie un SMS. Exactement. C'est quoi cette vie dans laquelle on vit? Elle a vraiment, elle a de moins en moins de charme. Exactement, exactement. De moins en moins de saveur. Mais sinon, bon, je sais que tu es foot. Je vais pas te dire quel est ton club préféré, même si je le sais, sur le plan national. Alors sur le plan international, quel club? Real de Madrid. Real de Madrid. Oui. Ah, t'es pas Barça donc. Et l'OM. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne, puisque c'est mes deux clubs préférés. Faire la Coupe d'Europe, de la Champions League. Inch'Allah. Inch'Allah, un troisième titre successif. Et ça a une saveur particulière depuis que Zidane a pris les rênes du Real de Madrid. Depuis que Zidane a pris les rênes. Ouais. Parce que je crois en lui, c'est quelqu'un qui dit Fa'alna rasna. Gagne la communauté algérienne, les Aïcha, l'étranger. Fa'alha rasa ta'assa. Très bien. Tu sais que c'est la fin de l'émission. Ah bon? Et tu as choisi de finir l'émission avec le maître, Hadj Mohamed Lamba. Alors pourquoi Hadj Mohamed Lamba? Parce que ça reste le maître. Parce que ça reste le maître incontestable de Chaabi, du Chaabi national algérien. Voilà. Le Hadj, et puis je, bien sûr, le Hadj et ses musiciens de l'époque. Je voudrais faire un petit coucou à mon ami, mon frère, son ancien bonjourniste, M. Sebio. Il a perdu son fils. Dernièrement, j'ai une petite pensée pour lui et pour sa famille, pour Jamal Sipio et toute sa famille, que je salue, que j'embrasse. Voilà. Très bien. Alors, puisque c'est la fin de l'émission, un dernier mot pour les téléspectateurs? Eh bien, merci de nous avoir supportés. Voilà, j'espère que mon choix leur a plu. Je l'espère. Et voilà, donc moi, ça m'a fait très plaisir de participer dans votre émission. Je remercie toute l'équipe technique. La réalisatrice aussi. Je te remercie, Ntaïa aussi. Ah, tu es chez toi, la Maria. Voilà. Inch'Allah, je donne un conseil aux responsables de l'ENTV, à M. Toufik Khaladi, que j'aime beaucoup, c'est de lui demander de nous créer une chaîne d'archives où on revoit toutes les variétés d'antan, tous les c'est-à-dire une chaîne noir et blanc. Carrément. Pour qu'on revoie qui nous sommes et comment on était et comment on sera, Inch'Allah aussi. Inch'Allah. Parce que si on voit, si on s'inspire, si on s'inspire de notre mentalité d'avant et de nos comportements d'avant, de nos coutumes, de notre personnalité d'avant, et qu'on revient à notre algérianité que tout j'aime par-dessus tout. Oula, ça va, Inch'Allah, ça va. On va avoir un avenir radieux. Inch'Allah. C'est bien. Inch'Allah. En tout cas, c'est très positif comme message. Merci. Et s'il fait cette chaîne, il me met à la tête de cette chaîne. Ce serait bien. Pourquoi pas, allez, vous l'avez dit. Très bien. Alors, la réalisatrice me dit et moi aussi. Donc, on ira tous à travailler dans cette chaîne. Vous voulez un directeur artistique à Néna. Ah, il y a très bien. Très bien. En tout cas, Ahmedou, merci d'être venu. Je sais que tu étais très fatigué. Pourtant, tu ne dis jamais non quand on t'invite. Et c'est tout en ton honneur. C'est un honneur pour moi aussi. Merci beaucoup. Alors, merci à lui et puis merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos programmes et ça nous fait énormément plaisir. En tout cas, on fait tout pour vous servir. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez nous critiquer ou justement nous encourager. Vous avez la page Facebook de Canal Algérie, ça s'affiche en bas de l'écran. Et puis si vous voulez revoir l'intégralité de l'émission consacrée à Ahmedou, c'est sur YouTube. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain. Salam.
الجمعه خرجوليا يوم الجمعه خرجوليا طعنوني من ضيق القلب طعنوني من ضيق القلب بعضوني سلبوني تيهوني صدو خلاوني نكمد لي عاد الجرح يحسن عون اللي عشيق مثلي مشروح بلا حسام انا الكويت من النيام انا الكويت من النيام يوم لقيت الخودات في حواز المخبية ميزوا عليا في الحين تبعتهم وانا كانت دمم للعوار حتى صدوا ونخلوا لي مرضوا لي جوار انطقت انا في الحين قلت ليهم هذوك الجايزة شفقوا من حالي لا تعذبوني شي شافوا فيا وتشرغنوا عليا زادوا للوالي ضاروه وخرجوا يميزوا زينة التيجان يوم الجمعة خرجوا بحسباس البالي بالصعوبات يحيروا العقل نحكيهم غزلان يوم الجمعة خرجوا خرجوا للباب الباهيات خرجوا للباب الباهيات على الكساوي متعندات على الكساوي متعندات لبسوا مواتهم من قفاطن عن كل الوان البرمود بيدي والطلس والشكرنط والمسجر والقلب حجر الموبر وبركادو الغور الشيبي وقريب الفيوس الشيبي وقريب الفيوس الفينا والملم والحريشة حتى المشعال تيشبه ليه المال الكثير حزوم رفع من الحرير حزوم رفع من الحرير مشبر وسباني والعبارق وشرابي لونها غرابي ومقايس من الجيل مفتل